la bière, c'est quelque chose de plus qui appartient plus à la culture anglaise qu'à la culture française, mettons. Oui. C'est un phénomène des microbrasseries qui existait en Ontario, qui existait un petit peu dans l'Ouest canadien, beaucoup aux États-Unis, des microbrasseries, des brew pubs, mais c'était pas quelque chose qui était nécessairement, qui faisait partie de la culture ou des mœurs des Québécois. Ici Catherine Gauthier pour les Montréalités et j'interview M. François Martel de la brasserie du Cheval Blanc. Quand est-ce que la brasserie Cheval Blanc a ouvert ses portes? La microbrasserie de Cheval Blanc a ouvert ses portes, d'une façon de parler, en mai 1987. Okay. Mais le lieu ici, il sert de débit de boisson, qu'on peut dire, depuis 1924. C'est une vieille taverne de Montréal, du Faubourg Amelas, qui a été transformée en microbrasserie. À cause que le propriétaire de l'époque, Jérôme Denis, qui lui avait hérité de la taverne de son oncle Gino, décédé en 1983, qui lui, son oncle Gino, l'avait hérité de son père, Géralimo Capelli. Alors Jérôme, en 83, hérite de la taverne, et puis en 86, je pense, il fait un voyage à New York, il visite la Manhattan Brewery. Puis là, il voit là-bas que ça se peut, une microbrasserie, puis là, il revient à Montréal, puis il fait comme « Wow, je veux que dans ma taverne, il y ait ça. » Qu'est-ce qui différencie le Cheval Blanc d'un autre bar? Le Cheval Blanc, c'est une ancienne taverne. Ça a toujours été un bar de quartier. Okay. Puis j'ai tout le temps voulu que ce soit un bar du peuple, un bar de quartier. J'ai pas voulu faire de ça un truc, un bon chic, bon genre, puis snobinette. Ça, c'est sûr que il y a des squeegees qui viennent, puis il y a des avocats qui viennent, puis tout le monde. C'est ça, c'est sûr. S'il y a quelque chose de populaire, c'est la taverne, c'est ça. Deuxièmement, c'est une place où on brasse de la bière, tu sais. Ouais. On a, avec le temps, accumulé 70-75 recettes différentes de bière. Puis, troisièmement, le bar a tout le temps eu un volet culturel où on fait des expositions, des lancements de livres, des performances, des spectacles. On a ça comme caractéristique. Si on est un bar de création, si je pourrais dire, on invente des sortes de bières, puis on est original dans notre façon de produire la bière. Puis pour la musique, c'est pareil. Je favorise des gens qui font de la musique, je t'appellerais de création, ou qui font de la musique originale, c'est-à-dire qui fusionnent des affaires, qui proposent des affaires nouvelles.